Cassandra, tu joues à Gand? Non. Ah bah. La blague est ratée. Je pensais que tu jouais à Gand. Tu joues plus à Gand? C'est pas la blague? Non. Ça fait déjà 3 ans, 4 ans. C'est gênant. Bonjour, moi c'est Lisa Lichfus. Moi je suis Cassandra Missipo. C'est Charlotte Tison. Bonjour, c'est Janice Kaiman. Et au revoir! C'est Pablo Andrés. Je suis au Proximus Basecamp et bienvenue dans le Red Flames Quiz. Je vais poser des questions aux joueuses de l'équipe nationale et on va apprendre à mieux les connaître. Et vous allez voir que dans ce quiz, tout est possible. Cassandra, comme on peut le voir, tu es fan d'Axel Witsel. Voilà, c'est génial, c'est super drôle. Et je suis aussi ici donc avec Lisa. Lisa, toi, tu joues toujours à Dijon? Exact. Dijon, où on le sait, ils sont beaucoup célibataires, les gens là-bas à Dijon. Tu sais pourquoi? Bah oui, parce que l'amour tarde. Attention, c'est parti pour une question rafale. Dans l'équipe des Red Flames, qui danse le mieux? C'est Cassie, je confirme. Cassie! Sandra Missipo. Ah. Un petit extrait. Cassandra m'a fait une petite une démonstration voilà. Et en effet, je confirme, elle danse vraiment comme un cul. Attention, qui danse le moins bien? Lisa. Ciao, Tison. Oh, elle a balancé, hein. Je trouve pas spécialement moins bien que toi, Cassandra. Ah, merci. Qui chante le mieux dans l'équipe? Elle a un intercours. Qui chante le moins bien? Le coach. Ou le coach. Qui est la plus drôle dans l'équipe? Cassandra. Ah oui, d'accord. Moi, je trouve Lisa drôle. Et Lisa, c'était en Charlotte et elle ici, bah voilà. Qui est la joueuse qui met le plus d'ambiance dans les vestiaires? Cassie. Qui est toujours en retard? Justine Van Avermaet. Non. Ah si, au meeting, elle vient toujours en retard. Cassie. Elle est pas professionnelle, Cassie. Qui est la plus mauvaise perdante? C'est Savirat. Ah bah, ça balance. Ouais. Si tu devais participer à Koh-Lanta, quelle Red Flame choisirais-tu? Julie Bismuth. Elle sait toujours quoi faire et chercher la bouffe. Chercher la bouffe. Ah d'accord, Janice, elle envoie les autres chercher la bouffe. Mais oui, hein? Je mets sur le transat. Ouais, toi, tu te mets bien. Je prendrais Sarah Bannon parce que... C'est pas Lisa, à mon niveau. Avec Lisa, je suis sûre qu'on s'amuserait, mais on ouais, on va pas survivre. Au jeu de je peux dribbler n'importe quel diable rouge parce que les filles sont plus fortes techniquement que les garçons, tu choisirais quel coéquipière? Tessa Willard. David Abomekada. Ou Tessa Willard, mais David. On passe maintenant au questionnaire. Et si? C'est parti. Et si tu pouvais transférer deux diables rouges pour les faire jouer avec vous, qui choisirais-tu? Kevin De Bruyne et Yann Gustavsson. Et De Nazare, je l'aime bien, il joue bien, et s'il joue. Ça, par contre, on va pas laisser au montage, ça, je te le dis déjà. Et Romelu Lukaku. Et toi, pareil? Ah ouais, Romelu. Donc Romelu, oh, bah alors, on confirme. Alors à présent, je vais vous montrer quatre joueuses et vous allez devoir choisir la joueuse qui pourrait intégrer l'équipe des Red Flames. Attention, première joueuse, Kevin De Bruyne. Ouais, pas mal. Ouais. Pas mal. Romela. mignonne. Prochaine, c'est Hélène. Mais... Oh, et... Hélène, il se passe quelque chose, hein? Et alors? La dernière, c'est ma chouchou. Pour moi, c'est la plus jolie. C'est Paola. Allez, on choisit qui? Hélène, elle est pas mal. Hein. Hélène, hein? Hélène, ouais. Ouais. Et en plus, elle joue très bien. Proximus, think possible.